Bonjour à tous, je suis heureuse de recevoir aujourd'hui aux médias Priscilla Ludowski, figure du mouvement des Gilets jaunes. Auto-entrepreneuse, très discrète dans les médias nationaux, elle dispose pourtant d'une force de frappe colossale. Sa pétition, lancée en mai 2018, très en amont du mouvement, avait ainsi recueilli plus d'un million de signatures sur change.org. Celle-ci réclamait déjà une baisse du prix des carburants à la pompe. La suite, on la connaît. Bonjour Priscilla. Bonjour. Et merci d'être avec nous aux médias. Demain, ce sera l'acte 15 des Gilets jaunes. Où serez-vous, tout d'abord? Alors moi, je serai à Chambord. À Chambord, parce qu'il y a un pique-nique géant Gilets jaunes, donc au centre de la France, pour la deuxième fois. Et quel sentiment domine chez vous en ce moment? La lassitude, la détermination intacte? Que vous ressentez? Toujours déterminé, déçu de voir qu'au niveau du gouvernement, ils usent de tactique pour un petit peu décourager tout le monde, mais content de voir que ça évolue quand même sur une autre forme, parce qu'on est beaucoup sur de l'action, mais qu'il y a des actions de fond aussi. Il n'y a pas que des manifestations ou des pique-niques ou des rassemblements statiques, mais on avance aussi sur le fond avec des assemblées citoyennes, des réunions d'information, des débats qui se font, des rencontres entre profils qui ne se côtoient pas habituellement, et du coup ça prend une forme différente et c'est intéressant. Alors, les gens vous connaissent un petit peu moins que Éric Drouet ou Maxime Nicole, parce que vous êtes moins passé dans les médias nationaux dans un premier temps, et vous n'y passez quasiment plus du tout. Quelle analyse vous a conduit à ce retrait ? Alors, j'ai été pas mal déçue de toute la désinformation qu'il y a eu. Étant au cœur du mouvement, on voit ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, et j'étais très déçue de voir qu'on montrait que le côté négatif du mouvement. Ça m'a beaucoup refroidi sur le mois de décembre, où j'ai vraiment pris du recul et j'ai refusé beaucoup de demandes au niveau des médias parce que je n'appréciais pas du tout l'usage qu'on faisait des images de fin de manifestation. On le voit tout de suite quand on est au cœur du mouvement parce qu'en fait, on est confronté à ce que nos proches voient uniquement à la télé et qu'ils rapportent. En ayant une vision complètement déformée de la réalité. Donc c'est assez frappant et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu mes distances. – Alors il y a eu un épisode le week-end dernier assez spectaculaire à cet égard, hein, puisque une promenade mouvementée d'un académicien français, Alain Finkielkraut, a déclenché une véritable tornade nationale pour l'acte 14. Hein, des accusations d'antisémitisme ont été proférées, des accusations extrêmement graves ont été proférées à l'égard des Gilets jaunes, à l'égard de leur soutien. Comment vous, Priscilla Ludowski, vous avez vécu ce moment ? Alors, comme un énième moment pour lequel on nous assimile à toutes sortes de dérives qui peut y avoir au sein des manifestations ou en marge, je dirais, des manifestations, parce que ça reste des actes marginaux. Et effectivement, lorsqu'on a une personne qui soit un comportement déplacé, très limite ou en dehors de la légalité, tout de suite, on assimile le mouvement à ça parce qu'il y a des communiqués qui sont faits ou des tweets qui sont faits par les membres du gouvernement, ce que je trouve catastrophique quelquefois, où ils englobent un petit peu tout le monde et ils mettent tout le monde dans le même sac. En tout cas, depuis le début, on dit que c'est un mouvement citoyen, un mouvement qui n'est pas violent, qui prône le pacifisme et qui ne souhaite pas qu'il y ait de débordements. Alors forcément, dans chaque manifestation ou chaque élan de contestation, on a toujours connu ce type de dérive. Mais ce qui est bien dommage, c'est qu'on colle l'étiquette, on en a eu beaucoup des étiquettes, alors celle-là, elle n'était pas encore arrivée, donc j'imagine qu'il y en aura d'autres derrière, et c'est des combats de communication incessants, et c'est assez prenant en termes d'énergie. – C'est une chose que vous vivez douloureusement, c'est pénible ?– Douloureusement, non, je dirais que c'est pénible, ouais. C'est pénible et c'est inquiétant même, parce qu'on se dit où ils veulent emmener l'opinion, parce que d'une semaine à l'autre, on change. Alors voilà, est-ce qu'au bout d'un moment, j'espère que les gens vont se réveiller et voir quand même qu'il y a une grosse manipulation derrière, parce que quand on a une étiquette sur 4 mois, bon, on peut se dire, on peut se poser la question, quand on en a 15 sur les 4 mois, on peut se dire, bon là, il y a peut-être un souci. Donc, donc ouais, c'est assez inquiétant de voir que le gouvernement rentre dans ce jeu-là. – Alors, je parlais de la pétition qui vous avait fait connaître, hein, cette pétition de plus d'un million de signatures antérieures au mouvement des Gilets les jaunes. Vous en avez lancé une autre depuis, une pétition en ligne pour réclamer 3 choses. La mise en œuvre du RIC, ouais. Une baisse sur les taxes et impôts sur les produits de première nécessité, ainsi qu'une baisse significative de tous les salaires, privilèges et retraites courantes des élus et aux fonctionnaires. Pourquoi avoir concentré les demandes sur ces 3 points ? Alors la première chose, c'est parce que la pétition sur la transition écologique, le carburant, etc., on me dit souvent que c'est la goutte d'eau, mais qu'il n'y avait pas que ça. Donc j'ai dû beaucoup faire de publications de mise à jour pour expliquer l'évolution en fait,
cette alerte, on va dire. Et pour eux, essayer de valider le besoin, entre guillemets, des gens, lorsqu'on entendait un petit peu les propositions qui étaient faites, les revendications qu'on recevait par mail, c'était bien de pouvoir recentrer les choses sur ce vers quoi le mouvement tendait. Et du coup, les personnes qui signent cette nouvelle pétition, elles la signent pour ce qui est écrit et pas pour la taxe sur le carburant, par exemple. Alors, c'est vrai que si on ne lit pas les articles et qu'on ne lit que le titre de la première pétition, on peut se dire c'est que sur ce sujet-là, et non, ça englobe beaucoup de choses, il faut aller lire les articles. Or là, on se concentre sur une pétition où là, ça regroupe vraiment ce qui synthétise les revendications du mouvement, et puis on verra où ça va mener derrière. Si ça peut aider à franchir d'autres étapes, ben, tant mieux. – Alors, certains vous ont reproché, parmi ces trois propositions, enfin ces trois demandes plus exactement, d'avoir inscrit la baisse du salaire et des privilèges des élus, parce qu'on peut considérer, par exemple, que les grands patrons, que les membres du CAC 40 finalement gagnent des salaires bien plus importants. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, ce n'est pas ma revendication personnelle, parce que moi, ce n'était pas celle que j'aurais mise en avant. Je pense que c'est plutôt une revendication symbolique. C'est la synthèse de beaucoup de revendications qu'on avait reçues, en tout cas avec Eric, lorsqu'on avait, et d'autres d'ailleurs, qui sont en région, qui nous adressaient beaucoup d'emails. Et ce sont des familles, on va dire, de revendications qui sont regroupées là. Et cette revendication en particulier, elle ne permettra pas de faire de grandes économies. Et elle touche pas, elle n'est pas censée toucher tout le monde, puisque les petits maires de zones rurales ne touchent pas la même chose que le maire de Paris, par exemple. Donc, ce n'est pas ces portefeuilles-là qu'on veut toucher, entre guillemets. Mais ça permet de montrer un petit peu qu'on demande de la motivation dans son travail et pas simplement un attrait financier. Et je pense que c'est aussi symbolique par rapport à ce que ça représente lorsqu'on dit que les salaires des élus sont exorbitants pour certains. Pour les hauts fonctionnaires, je pense que c'est un combat des syndicats. Éventuellement, de s'attaquer au salaire des grands patrons, c'est un autre sujet encore. Mais effectivement, on peut y penser. – Alors, vous disiez à l'instant que vous étiez satisfaite tout de même de voir que certaines propositions, certaines mobilisations collectives avançaient. Lesquelles ? Alors, pour ce qui est du RIC, par exemple, beaucoup de gens en ont entendu parler et peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Alors, on en voit dans les assemblées qui sont organisées dans les départements. Alors, il y a des groupes de manifestants sur l'Île-de-France, par exemple, et ailleurs aussi, qui organisent ces assemblées-là, ouvertes au public. Donc, tout le monde peut venir se renseigner, poser des questions, débattre. C'est très ouvert, en fait. Il n'y a pas de questions interdites. Voilà, les gens posent des questions aux intervenants et ça échange sur le sujet, ça informe pas mal. Il y a beaucoup de gens qui tractent. Pour informer aussi, il y a beaucoup de conférences, des débats qui sont organisés entre des personnes dites intellectuelles ou élites avec des personnes de classe moyenne, et c'est intéressant d'échanger. Ça met en lien des personnes qui ne se parlaient pas, que ce soit au sein d'une même classe, entre guillemets, ou au sein de débats ou multiclasses, on va dire. Et ça, c'est pas forcément, alors c'est pas médiatisé, c'est pas forcément mis en avant, donc on a l'impression que les gilets jaunes, c'est juste marcher le samedi dans la rue, alors que ça englobe beaucoup de choses. Il y a des élans de solidarité, il y a des gens qui créent des associations depuis le début du mouvement pour dans des domaines bien précis comme l'aide aux gens qui veulent se reloger ou autre, et je trouve que ça prend une tournure intéressante, mais qui n'est pas forcément mise en valeur. Il y a des associations aussi de démocratie qui défendent la démocratie depuis un certain nombre d'années, qui sont dans l'ombre depuis un certain nombre d'années, qui là voilà, ressortent un petit peu la tête de l'eau et peuvent enfin partager leurs travaux et les mettre au goût du jour et organiser des débats avec des gilets jaunes pour leur montrer qu'ils font ça depuis des années, qu'ils ne sont pas entendus et qu'ils mettent en œuvre des initiatives comme celle de créer une assemblée citoyenne, par exemple. – Vous-même, Priscilla Ludowski, qu'est-ce que vous avez appris depuis le début du mouvement des gilets jaunes ?– J'ai appris qu'on pouvait avoir encore de l'espoir, de pouvoir se parler entre citoyens, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de regarder ce qui se passe chez le voisin, de partager les conditions de vie des uns et des autres. On a un peu cloisonné, on est formaté, je pense, depuis l'enfance. Moi, c'est mon avis, pour qu'on ne regarde pas ce qui se passe autour et qu'on reste un petit peu dans sa petite vie, dans ses soucis, et on ne se rend pas compte qu'on est un peu gentiment dirigé sur tout notre parcours de vie. Et je trouve que c'est bien de pouvoir sortir de ça, et un petit peu voir ce qui se passe et comment on est dirigé, et d'avoir un œil là-dessus, et ça ne plaît pas visiblement. Quand on parle aussi du RIC, ça ne plaît pas, parce que ça veut dire se mêler de la vie politique, ça ne plaît absolument pas. Ça montre aussi, j'ai eu de très belles rencontres, et des attaques aussi, des critiques ou des tentatives de récupération fatigantes encore jusqu'à la semaine dernière, par exemple, mais qui sont là depuis le début du mouvement. Les politiques, ils sont très, très, très tenaces. – Par exemple ?– Au départ, dès le début de ma médiatisation, en tout cas, octobre-novembre, j'ai beaucoup été approché par les plus grands partis
dont un qui est très actif et qui tente encore jusqu'à la semaine dernière, mais c'est hallucinant, ils viennent nous voir en manifestation, je ne sais pas quel est leur, enfin si on sait quel est leur but, mais je veux dire, c'est, quand c'est rejeté et que c'est déjà dit et redit, c'est assez fatigant de voir qu'ils ne lâchent pas l'affaire. – Vous pensez à qui ?– À la France Insoumise, par exemple. – Ils sont assez, assez tenaces, mais bon. – Alors, chez certains gilets jaunes, on sent quand même une certaine anxiété compte tenu du fait que le pouvoir s'obstine et ne cède rien et a opté manifestement pour une répression massive plutôt que pour un dialogue. Chez beaucoup de gens, il y a tout de même cette peur que le mouvement ne soit en train de s'enliser. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Ou est-ce que c'est une peur que vous-même partagez finalement? Alors, non, j'ai pas de crainte. Je suis plutôt catastrophée qu'à l'international, on réagisse pas. Plutôt, je me dis, quand on est censé être dans un pays dit démocratique, quand on entend le porte-parole du gouvernement qui dit mettre le RIC, c'est antidémocratique, on peut se poser des questions. Quand on veut s'exprimer, on se fait tirer dessus, on se fait gazer. Je veux dire, moi, la première manifestation que j'avais eue, il y avait énormément de retraités. Il n'y avait personne de violent qui était venu à la rencontre des forces de l'ordre. Ils ont tout de suite été gazés, ils ont été choqués, quoi. Moi, ils sont venus me voir, ils étaient choqués. Vous parlez de la fin novembre? Là, je parle de la fin novembre, ouais. Et c'est quand même, enfin, non, du début de la manifestation, la première. Où là, il y avait énormément de retraités, ouais, vraiment, c'était hallucinant. Et quand on se rend compte, en fait, quand on croit être dans un pays démocratique et qu'on se rend compte, quand on essaie de s'exprimer d'une certaine manière, qu'on est réprimé, c'est choquant. Et là, ça éveille, en fait, on se dit, finalement, on a notre liberté, elle a l'air d'avoir une certaine limite. Sauf qu'on ne s'en rendait pas compte, je pense. Et quand on aborde des sujets comme le RIC, c'est pas normal qu'on nous dise que c'est pas démocratique. Qu'on soit pas d'accord, qu'on ait peur du cadre qui l'entoure, qu'on se pose des questions, ok, que le porte-parole du gouvernement dise c'est antidémocratique, là on peut se dire oui, donc ils en veulent pas et c'est parce que ça les arrange pas. Donc moi ce qui me fait peur, c'est qu'ils aient suffisamment de pouvoir pour mettre dans la tête des gens des opinions qui les poussent à croire qu'ils sont en démocratie. – Alors il y a quand même eu un avis de la Commission européenne, il y a eu aussi un avis rendu à l'ONU pour dénoncer le caractère ultra-répressif de la réponse gouvernementale française. Est-ce que ce sont des choses que vous suivez, des dialogues que vous essayez de nouer aussi à l'international justement ?– Alors oui, en tout cas, justement sur ce sujet-là, moi je me joins à un collectif qui s'est créé, qui s'appelle l'article 35, la Déclaration des droits de l'homme, et qui vise à faire en sorte que le ministre de l'Intérieur, qui visiblement n'a pas l'air de se rendre compte que c'est pas normal ce qu'il est en train de faire, et tous les ordres qui sont donnés au niveau des préfets de police et aux forces de l'ordre qui elles-mêmes ne comprennent pas toutes, en tout cas ce qu'elles font, pour qu'ils soient sanctionnés. Parce que… – Christophe Castaner. Ouais. – Moi je trouve ça vraiment, je suis halluciné qu'ils soient encore en poste. – Après les mutilations… – Après tout ce qui s'est passé, après tout, et l'usage du LBD, à des proportions qui ne sont vraiment pas normales, donner des LBD à des personnes qui sont limite formées, ou qui n'ont même peut-être jamais utilisé, ou alors pas dans des conditions pareilles, et qui ont besoin peut-être de plus de préparation, qui vit systématiquement au-dessus du buste. Tout ça fait qu'on peut se poser des questions quand on dit… Moi je discute beaucoup avec les forces de l'ordre, hein, surtout quand on a l'occasion, on est nassé, donc on a que ça à faire. – Alors, ça donne quoi? Un dialogue entre Priscilla Ludowski et les CRS. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'ils seraient gilets jaunes s'ils n'avaient pas l'uniforme. D'autres qui viennent même en civil en manifestation nous voir pour nous dire qu'ils soutiennent, mais qu'ils ne restent pas très longtemps et ils s'en vont directement parce qu'ils ne veulent pas trop être vus et être en mauvaise posture, mais ils affirment le soutien. Il y en a d'autres qui disent « moi, je suis payé pour, donc je m'en fiche ». D'autres qui disent qu'ils ne comprennent pas les ordres qu'on leur donne, mais ils suivent parce qu'ils ont… voilà, c'est leur travail. Et moi, je leur disais « mais à partir de quel moment vous considérez que c'est l'ordre qui a été donné et met en danger l'autre et est suffisamment stupide pour que vous arrêtiez ?» À quel moment vous dites stop, vous? Parce que, vous avez des réponses à cette question? Bah, ils ne répondent pas vraiment. Ils disent que voilà, c'est leur travail. Ils ne sont pas d'accord. Pas tous. Ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a d'autres qui disent on en a marre, nos conditions aussi de travail. Je leur dis mais c'est aussi pour vous qu'on fait ça. C'est pour tout le monde qu'on fait ça. Et ils en ont conscience. Et j'en ai même un responsable des CRS qui m'a montré un geste du doigt qui signifiait que les ordres venaient d'en haut. Bon, ça, on le sait. Mais qu'il n'était pas pour. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. Donc c'est assez inquiétant aussi parce qu'on se rend compte que le ministre de l'Intérieur utilise un peu les forces de l'ordre pour en faire ce qu'il veut parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Puis il y a un certain désordre aussi au sein même des différents corps de forces de l'ordre parce que les CRS ne comprennent pas vraiment ce que fait la BAC aussi sur le terrain, ils sont assez virulents. Il n'y a pas de coordination entre eux, il n'y a pas de communication qui mène à un consensus sur la manière de se comporter sur le terrain et
On peut se poser beaucoup de questions sur comment les ordres sont donnés et qu'est-ce qu'on leur dit à chacun, en fait, au niveau des différents corps. Alors, j'ai effectivement vu sur votre page Facebook, hein, qui est une des pages les plus suivies, avec la France en colère, avec celle de Maxime Nicole aussi. En effet, vous avez choisi de vous associer à une plainte contre Castaner, mais aussi contre Macron. À la Cour pénale internationale. Visant à les traduire devant la Cour pénale internationale, au nom de l'article 35. Quelle forme ça pourrait prendre? Qu'est-ce que vous attendez de cette démarche, en fait? Alors, pour l'instant, on ne pourra pas trop en parler parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Mais les démarches sont en cours et on espère bien porter le sujet à l'international. Et on y travaille vraiment activement. Bon, après, si ils veulent se renseigner sur le sujet, je pense qu'ils accéderont facilement aux informations. Mais en tous les cas, on est plusieurs personnes très déterminées à ce qu'ils soient vraiment sanctionnés sur le sujet, parce que c'est vraiment pas normal que ça se passe de cette manière, en fait. Est-ce que vous avez cherché à nouer des contacts avec des gouvernements étrangers, avec qui pourraient éventuellement… – Non, si on doit passer par l'étranger, c'est par des institutions, des organismes tels que l'ONU ou tels que la Cour pénale, des associations, mais en aucun cas directement vers un gouvernement. – Alors, c'est pas le cas. – Ou alors via les ambassades. – Alors, c'est pas le cas de tous les gilets jaunes, hein, puisque certains, notamment cette fameuse liste, les membres de cette fameuse liste qui comptent se présenter aux élections européennes, fait rencontrer certains membres du gouvernement italien. Donc, cette liste aux européennes qui était menée par Ingrid Levavasseur, on ne sait plus trop, en fait, hein, où ils en sont, c'est un petit peu compliqué. Quel regard vous portez dessus et surtout, est-ce que vous pensez qu'ils iront jusqu'au bout? Alors, je ne sais pas moi non plus quels sont leurs prochains objectifs. J'ai cru comprendre qu'elles se mettaient en retrait. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais… C'est ce qui a été dit. Oui, et son directeur de campagne, il s'est aussi mis en retrait et qui a remonté autre chose derrière, un mouvement, j'ai cru comprendre aussi. Donc, je ne sais pas vraiment quels sont leurs objectifs. Je sais qu'ils ont beaucoup tenté de me contacter, certainement pour que je m'associe à leur démarche au départ. Et moi, je n'étais pas du tout intéressée, donc je n'ai pas répondu à leurs appels. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de contact avec eux. Voilà, je ne sais pas s'ils ont considéré que leur technique, leur stratégie était mauvaise et se sont finalement retirés. Quelle est la prochaine stratégie? Je ne sais pas du tout. Donc, vous faites partie, de même que Éric Drouet et Maxime Nicole, des figures des Gilets jaunes qui refusent une politisation. C'est quelque chose qui n'est pas toujours compris, notamment justement du côté des militants politiques, des gens qui ont une culture du militantisme. Et c'est quelque chose qui est considéré par certains comme une limite du mouvement qu'il faudrait construire politiquement. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui réexpliquer votre position sur ce point? Et est-ce que votre position a varié au cours du mouvement ou est susceptible encore de se déplacer? Alors, je pense qu'au départ, c'est vrai qu'on a été, ça a été vraiment un rejet complet parce que c'est important. C'est important de le préciser, de le faire, parce qu'au départ, beaucoup de gens qui n'avaient pas connaissance de la genèse du mouvement pensaient que c'était un parti politique qui avait lancé le mouvement ou qui avait initié le truc. Et en fait, non. Et il a fallu vraiment marteler ce message-là vraiment pas mal sur le mois de novembre et de décembre. Parce qu'on avait beaucoup de questions. Moi, j'ai beaucoup été interrogée lorsque j'ai fait ma pétition pour savoir si j'étais dans un parti, lequel. J'avais peur d'être manipulée. Ah, oui, exactement. Ouais. Dès le départ, il y a eu ça a été les premières questions posées, c'est ça. Même en plateau télé. Hein. On pensait vraiment que j'étais dans un parti, lequel. Enfin, beaucoup de questions à ce niveau-là. Il a fallu dire tout de suite non, c'est pas le cas, etc. Donc beaucoup se justifient sur le fait que c'était vraiment un mouvement citoyen, avec beaucoup de tentatives de récupération au départ. Donc il a fallu se battre contre ça aussi. Donc c'est vrai que le rejet a été immédiat et catégorique et martelé. Ensuite, c'est vrai qu'on a conscience qu'on traite de sujets politiques et qu'effectivement, peut-être qu'on sera amené à discuter avec des politiques. On a déjà vu des députés en manifestation qui sont venus à notre rencontre, etc. Le but, ce n'est pas de ne pas leur parler ou quoi que ce soit. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée de créer un parti gilet jaune, par exemple, parce que c'est des profils différents, des gens qui sont déjà même peut-être partisans d'un parti, donc ça n'a pas de sens. Des gens qui voudraient éventuellement créer des partis après coup parce qu'ils se sont découverts une vocation ou qu'ils aimeraient aider autrement, parce qu'il y a des gens qui montent des associations, d'autres qui montent des collectifs depuis le début du mouvement, d'autres qui sont allés aux européennes, enfin qui tentent d'y aller, et d'autres qui vont certainement créer des partis après ça. Moi, j'ai déjà été approché par des personnes qui veulent créer des partis après ça, donc pourquoi pas après. Mais c'est vrai que… – C'est une chose quand même que vous examinez. Alors moi personnellement non, je compte pas le faire. J'ai été approché pour le faire, mais je compte pas entrer dans cette initiative-là personnellement. Après, si jamais quelqu'un présente un programme qui me parle, moi je vote blanc en général parce que je crois. Jusque-là, j'ai cru en rien de ce qui avait été proposé. C'est pas dit que ce sera le cas à l'avenir, mais je reste sceptique par rapport à ce qui peut être proposé à l'avenir parce que c'est assez compliqué. Là, la différence entre ce qui se passait avant
le mouvement entre deux et ce qui se passe après, c'est que j'espère qu'après, on proposera des choses plus en phase vu ce qui se passe aujourd'hui. Si on propose exactement la même chose qu'avant, c'est qu'on n'a pas tenu compte des leçons que pourrait donner cet élan de contestation, quoi. Et est-ce que vous pensez, c'est le corollaire de cette question, que en l'absence justement de structuration politique, ce mouvement peut être victorieux? Alors, peut-être qu'il y a plusieurs aspects. On peut très bien laisser à un moment donné tomber la forme de manifestation qui est actuelle, les marches, les blocages, etc. Et faire en sorte d'aller vers d'autres types de démarches, parce que créer une assemblée citoyenne comme le collectif qui a été créé, dont je fais partie d'ailleurs, pour pouvoir amener des solutions, enfin pouvoir amener à des analyses de propositions qui mèneraient à des mesures fortes, c'est une manière de rentrer en politique sans faire de la politique dans un parti, parce que c'est créer une assemblée citoyenne avec des gens tirés au sort, c'est amener les citoyens à participer à des actions de consultation citoyenne et plus démocratique. Donc pour moi, c'est quand même le mouvement qui continue. Ceux qui créent des associations, c'est pareil. Ceux qui créent des collectifs, c'est pareil. Ceux qui créeront des partis par la suite, c'est pareil. Et pour moi, non, le mouvement ne mourra pas. Il prendra juste d'autres formes. Et du coup, ce ne sera pas le mouvement des Gilets jaunes, mais il y aura eu un élan de contestation qui aura mené à faire les choses différemment à l'avenir. C'est comme ça que je vois les choses. – Vous avez le vif sentiment, aujourd'hui, depuis 3 mois, d'écrire une page importante de l'histoire française ?– Moi, j'ai l'impression, oui. J'ai l'impression qu'on fait partie de quelque chose, là, qui ne sera pas oublié. – Alors, j'ai assisté à une récente conférence que vous avez donnée à Paris, dans le cadre du Cercle Gambetta, en présence de l'économiste atterré Christophe Rameau et aussi de l'avocat David Koubi, qui mène un beau combat auprès des Gilets jaunes depuis quelques mois. Vous avez ce soir-là, en fin d'intervention, émis l'idée d'un boycott des élections européennes, idée qui m'a semblé… extrêmement constructive et intéressante. Est-ce que vous pensez qu'elle peut fédérer les énergies ? Alors, boycott total, c'est pas l'idée. Oui, il y a des idées qui émergent en ce moment. On m'a approché avec des idées qui étaient intéressantes. Je vais pas les citer là parce que voilà, ce serait dommage de pouvoir dévoiler ce qu'on m'a proposé. Mais... Il faut laisser quelques surprises au gouvernement. Voilà, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est un peu ça. Et je trouvais ça intéressant en fait parce que effectivement, c'est encore une autre forme d'alerte. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas dire aux gens de ne pas aller voter, ça n'a pas de sens, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des idées qui émergent pour ne pas passer inaperçu lors de ces élections en tout cas. – Ce serait quoi pour vous une victoire du mouvement des Gilets jaunes ?– Pour moi ce serait idéal que le gouvernement prenne ses responsabilités face à l'Europe en disant voilà, il y a des choses qui sont des lignes de conduite qu'on souhaite appliquer à tous les pays, sauf que chaque pays a ses problématiques internes et que donc pour certains sujets, comme certains sujets au niveau de l'écologie ou de la fiscalité, qu'on prenne ses responsabilités, qu'on dise nous on va aller taxer les GAFAM, nous on va aller faire payer les supermarchés qui ne payent pas leurs pénalités, nous on va aller interdire le glyphosate, nous on va faire les choses qu'il faut pour que le pays aille mieux. Donc quand il y aura des vraies mesures fortes comme ça, moi je me dirais il y a déjà une première victoire. On laisse beaucoup de côté les associations de climat qui alertent sur des sujets et on nous fait croire qu'on paye la taxe pour ces sujets-là alors qu'on les ignore les sujets. Alors il y a une contradiction, donc on ne finance pas du tout l'écologie avec ces taxes-là et moi je demande aussi plus de transparence parce que ça manque énormément. Donc la transparence. Ça, c'est une revendication chez vous originelle, hein, dès le mois de. Ouais, la transparence, dès le printemps 2018. Ouais. Tout à fait, oui. Ouais, carrément, la transparence, des mesures fortes et engageantes, et qu'on laisse la place à la démocratie, la vraie. Vous êtes optimiste pour la suite? Pour la suite à très long terme. Parce que j'ai conscience que ce sera un combat pas facile et peut-être que les résultats, on les verra peut-être beaucoup plus tard. Autant pour pouvoir d'achat et la fiscalité, c'est des choses qui peuvent être faites là. Ils peuvent très bien le faire rapidement. Autant pour le reste, je pense que c'est un combat qui sera beaucoup plus long. Merci beaucoup. Merci. Priscilla Ludowski d'être venue nous rendre visite aux médias. Je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel entretien libre. Je vous rappelle que le Média vit de vos subventions, de vos dons, qu'il n'est pas financé par les milliardaires ni par l'État. Nous avons besoin de vous pour mener la bataille de l'information. À très vite.